Bonsoir à notre lundi et à l'ensemble des 23h, mes chers amis. Vous allez bien, mais le monde du travail, je crois qu'il ne va pas bien. Je viens d'entendre une information triste. Qu'est-ce qu'il dit cette information? 25% des employés en France, les fonctionnaires, ils sont hyper stressés. Ça, c'est grave. Déjà pour leur santé à eux, et après, c'est pour leur boulot, c'est pour leur travail. C'est pour leur travail et pour les gens qui vont avoir des affaires avec ces gentils femmes et hommes hyper stressés. Sans aucun doute, toujours, vous voyez dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que certains, des gens, des personnes, des guichets qui vont vous répondre, ne sont pas à l'aise. Ça, vous avez pu déjà constater. Guichet à guichet, l'attitude des gens, les réponses, les conditions est variable. Ça arrive toujours pour tout le monde. Alors, hyper stressé, 25% des fonctionnaires en France, c'est grave. Déjà, on ne va pas parler des suicides. Combien de personnes donnent fin à leur vie à cause du travail qu'ils font. Tout ça, c'est triste. Vous savez qu'est-ce qu'il manque, à mon avis? À mon avis, ce qu'il manque, c'est l'spiritualité. L'spiritualité, quand il manque, les psychiatres travaillent bien. Alors c'est pour ça que l'spiritualité est très importante pour la santé de l'individu, pour la santé de la famille et bien sûr pour la santé de la société, du pays et du monde. Vous voyez, ça commence par l'individu. L'individu, famille, société, pays et le monde. 5 départs. L'un, il est lié à l'autre. Vous connaissez Saadi Carnot, l'ancien président français. Il y a pour la plupart des villes, au moins, il y a avenue Roux qui porte le nom de Saadi Carnot. Alors Saadi, c'était un grand poète perse, un grand sociologue perse, M. Saadi. Il vivait il y a déjà 700 ans. Qu'est-ce qu'il disait? Il a un poème très joli, très intéressant. Je me rappelle Jacques Chirac, que je demande à Dieu la santé, la spiritualité pour lui, parce que ça va mal actuellement. Comme vous savez, Jacques Chirac, il est malade. Et même sa fille Claudine, elle était obligée de le séparer de Madame Chirac. Puisque, vous savez, quand on est âgé, tous les deux, on devient insupportable un pour l'autre. C'est pas grave, puisqu'il y avait une autre personne assez généreuse qui a donné un château au président Jacques Chirac à Paris pour pouvoir vivre tranquillement là-bas. Alors Jacques Chirac, il me disait à l'époque,
Même après, je lui ai demandé de l'écrire, qu'il a écrit, j'ai l'écriture de Jacques Chirac à ce sujet. Il disait, quand j'étais jeune et étudiant aux États-Unis, j'avais des copains iraniens, perses. Ils m'ont fait connaître Saadi et ses poèmes et ses écrits. Il a deux bouquins. Alors, il dit, à l'époque, quand j'ai connu Saadi, moi je voulais devenir médecin. Mais j'ai changé d'avis. Je suis devenu politicien. Je suis entré dans le politique. Bah, le docteur Chirac, vous vous rappelez, à l'époque, Yasser Arafat aussi, il disait à Chirac, docteur Chirac. Docteur Chirac, il voulait devenir docteur, mais il devient maire et président. Alors, Saadi, qu'est-ce qu'il dit? Parmi tout ce qu'il dit, il dit nous. En personne, il dit Bani Adam, Azoye, Yukdigara. Il dit nous, l'humanité, en totalité, nous ne sommes qu'un seul cœur. Nous ne sommes qu'un seul. Un seul. Et un jour, si une partie de nous aurait mal, la totalité de l'humanité va avoir mal. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces cinq éléments, l'individu, famille, société, pays, le monde, selon David Abbassi, hein, ça c'est à moi, je parle quelque part. Quand ça va, vous avez votre paradis par terre. Sur terre. Si ça ne va pas, voilà, c'est autre chose. Mes chers amis, vous êtes le bienvenu, comme d'habitude, vous avez la parole. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler ce soir, je vous laisse le choix. Et j'étais ravi, dans la dernière émission, on a parlé sur le problème des femmes. Quelques personnes sur l'antenne et plusieurs personnes hors antenne m'ont téléphoné en disant que ça c'était très intéressant de parler de ce problème familial et surtout des lois qui vont être instaurées en France en faveur des femmes. Vous n'avez plus le droit de frapper votre femme, vous n'avez plus le droit de harceler les filles, les garçons, enfin, les gens, vous allez être punis. Et c'est l'État qui va vous poursuivre. Malheureusement, un jour après la journée nationale contre la violence, nous avons entendu la version, le jugement de procès concernant Léo et Émilie. Émilie, une jeune fille de 14 ans, qui avait des relations sexuelles avec son professeur de mathématiques. Alors ce professeur a été jugé et il était sorti libre du tribunal tout à l'heure. On ne va pas contester la juridiction française. Mais il y a beaucoup de gens qui ont contesté ce jugement, puisque l'avocat général, il demandait 5 années de prison, 3 années ferme. Voilà, c'est le procureur de la République, on peut dire, avocat général, voilà. On ne va pas dire, nous, on pense comme ça, nous, on est contre ce jugement, c'est l'avocat général. Il avait demandé 3 ans de prison ferme pour M. Léo, professeur de mathématiques qui a couché avec son étudiante de 14 ans. Alors Macron, il a dit à partir de 15 ans, même si c'était consenti. Ça, il avait 14 ans, il avait des problèmes familiaux, beau-père et sa mère, et elle voulait se confier à son professeur comme un psychiatre. Au lieu d'aller voir un psychiatre, il était dans le bras de son professeur,
Son professeur, il a profité. Et l'enfant qu'il avait besoin de bras d'un homme, voilà. Mais après, il n'était pas. Voilà. Enfin, 18 ans avec sursis, et il est sorti libre du tribunal. Ça, le procureur de la République avait demandé 3 ans de prison ferme, 5 ans. Alors, ça aussi, ça va pas, c'est-à-dire le jugement doit être un peu plus sérieux. Au moins, on doit respecter la moitié, je ne sais pas, un peu plus de ce que l'avocat général il demande. Ce dossier aussi, ça vous donne l'occasion de parler ce soir, si vous voulez, mes chers amis. Pourquoi pas? Et en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Mais il y en a beaucoup d'autres choses qui passent dans le monde. On va pas toujours parler du mal qui passe. Permettez-nous de temps en temps de parler de d'autres choses. Alors, de temps en temps, si vous vous confiez à l'antenne, ça va bien pour vous, allez-y, confiez-vous. Au lieu d'aller voir un psychiatre, payer 150, 250 euros, voilà, vous pouvez parler avec vos amis, aussi il y a des expériences que les autres, il faut profiter, pourquoi pas. Alors, le numéro de téléphone, c'est ça, hein? Vous devez appeler si vous voulez. C'est le 08 92 23 95 20. Et vous avez la parole et vous allez être en direct sur notre antenne. N'oubliez pas que vous pouvez écouter votre radio via l'Internet, même par votre smartphone, en tapant ici et maintenant.com. Ici maintenant.com. Choisissez le son seulement et vous pouvez nous écouter par votre smartphone ou par votre ordinateur fixe à la maison où vous travaillez. Et nous sommes là avec vous ce soir, cette nuit, comme d'habitude, mes chers amis.